Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un haul action et la jardinerie du fief, donc de Cognac, parce que j'étais à la jardinerie avant action, donc voilà. J'ai pas trouvé ce que je voulais à action, mais j'ai trouvé d'autres choses. J'ai pas grand chose, mais bon, assez pour faire une petite vidéo, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc on va commencer avec ces deux bacs à litière comme ceci. Ils sont assez grands, j'en ai pris un gris et un vert pour changer un peu la couleur. Il y a un rebord, ce qui va permettre pour la lapine qu'elle ne fasse pas pipi par dessus, parce que ça arrive qu'elle se mette au bord et elle fasse pipi par dessus. Je pense qu'on va en mettre une aussi à caramel parce que la sienne elle est fatiguée. Et le problème c'est qu'elle a même pas un an, mais bon, d'habitude on lui prend avec un couvercle, mais ça coûte méga cher pour prendre le grand modèle. Donc voilà. La grise m'a coûté 3,95€, elle était en promotion. Mais par contre, la verte, comme c'est une verte, elle m'a coûté 5,95€. Voilà, va falloir m'expliquer pourquoi la verte est plus chère que la grise, mais bon. Bref, dans le magasin en plus, c'était même pas indiqué que celle-ci était plus chère que celle-là. Quand j'en ai parlé à la caisse, ils m'ont pris de haut, ça m'a très vite énervée, donc j'ai laissé tomber et je me suis barrée. Donc voilà pour déjà ça, donc de litière. Ensuite, on va continuer avec de la terre à bain. J'en mets pour grisette et puis pour mes gerbilles, ça permet qu'ils puissent se laver et tout. Je trouve que c'est quand même assez essentiel, bien qu'ils n'en aient pas tout le temps, parce qu'on n'en a pas forcément tout le temps. Ou alors, Grisette, elle, ça va, elle recouvre pas tout. Ouais. Mais Stuart et Little, ils passent leur temps à enterrer tout ce qu'ils ont, donc leurs roues, leurs cabanes, leurs jouets. Ouais. Donc forcément, leur sable de bain finit aussi par être enterré, et ce qui est bien dommage. J'en ai maintenant terminé avec la jardinerie, donc j'ai pas acheté grand chose à la jardinerie. Par contre, j'ai acheté un petit peu à action, pas énormément, mais un petit peu. J'ai acheté ce liner à moins d'un euro et je viens de le tester, puisque je m'en suis mis comme ça sur les yeux pour voir. Il est noir, il est pas mal, il est assez précis, ouais, comme ils disent, précision liner, et il est vachement précis. Par contre, faut passer plusieurs fois pour qu'il marque, et ça c'est un peu dommage. Mais bon, pour moins d'un euro, j'ai pas envie de me plaindre pour le coup. Ensuite, j'ai acheté de la nourriture, logique. Donc j'ai acheté une tablette de chocolat, parce qu'en fait, j'ai envie de faire une recette, et j'avais pas envie de galoper dans un magasin pour acheter une autre truc ou quoi que ce soit. Donc tant que j'y étais, ils avaient celui-là, du Côte d'Or. 1 euro par contre la tablette, je crois que c'est pas loin d'un euro, ou 70 centimes, quelque chose comme ça, la tablette de chocolat par contre. Voilà. Et après j'ai aussi acheté, Chapi c'est pas pour toi, j'ai acheté du beurre de noix. En fait ce que je veux faire c'est mettre, faire fondre du chocolat, mettre du beurre de noix dedans et remettre du chocolat par dessus, que ça fasse comme des petites tartelettes mais de chocolat et de noix, hein. Ça ressemble un peu au Reese's dit comme ça, hein. Donc voilà, à la base je voulais prendre du beurre de cacahuète mais j'en avais pas, je me suis dit que le beurre de noix ça devait pas changer grand chose. La différence c'est qu'il est pas sucré en fait, tout simplement, donc c'est pas très grave. Je crois que mes oiseaux ils ont décidé de faire la sérénade là aujourd'hui exprès. Ensuite j'ai acheté de l'huile de coco, depuis le temps que je veux m'en acheter, là j'en ai pris un pot, hein. Je crois qu'il m'a coûté 2 euros, hein. Quelque chose comme ça. Il y avait le même en bio, mais il y en avait moins dedans. Et comme c'est pour tester, j'ai préféré prendre celui-là pour le coup. Je l'ai pas encore ouvert, donc je verrai bien. Je vais essayer de cuisiner avec ce midi, voir ce que ça donne. Ensuite, on a pris avec Boris des soupes asiatiques comme ça, au poulet, et on avait pris aussi au bœuf, mais on les a mangés hier soir, donc je pourrais pas vous les montrer, hein. Donc voilà, ils sont pas mauvais au bœuf honnêtement, un peu épicés par contre, hein. Mais sinon super bon, hein. Une tuerie pour du action, super bon. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai pour l'instant à vous montrer comme ça, mais après je vais vous montrer directement. Il y a un autre truc que j'ai acheté que je pourrais pas vous montrer puisque, enfin, ça m'embête d'aller le chercher, j'ai un peu la flemme. C'est un câble juste pour brancher son téléphone portable à son chargeur, donc c'est pas, voilà, c'est pas un truc de fou, hein. D'ailleurs qui ne va même pas sur mon téléphone mais qui va sur celui de Boris, donc on a fait l'échange, j'ai pris le sien, il a pris le mien que je viens d'acheter
Pourquoi? Allez savoir. Donc maintenant je vais vous montrer le reste. Donc voilà, j'ai acheté ce petit meuble comme ça, donc il est pas très grand si vous voulez voir par rapport au reste, c'est sur ma cheminée. Les deux cactus là et là viennent de chez Action aussi, mais je les ai achetés il y a un bon moment. Donc ils se présentent comme ça, avec des tiroirs, pour l'instant il n'y a rien dedans. Mais je vais mettre des clés, des trucs comme ça, tout ce qui traîne un peu le fouilla, ou est-ce que... parce que j'ai une panière. Et dedans on met les clés, on met pas mal de choses. Comme il y a un tournevis avec des embouts interchangeables pour la maison, des trucs comme ça. Et du coup, je vais tout mettre dedans, comme ça, ça traînera plus sur ma petite panière, sur le meuble. Ça se verra pas, en fait. Ça sera un bordel organisé, comme on dit. Donc, j'ai acheté celui-là en bleu. Et j'ai acheté, du coup, le même en blanc, mais pour mon bureau. Donc, voilà, comme ça, c'est assez sobre. Et ça va bien un peu avec mon bureau, même si là, c'est le bordel. Comme vous avez pu le voir dans le dernier vlog, j'ai essayé de ranger, mais c'est pas encore ça, hein. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Et ça m'a pas coûté cher, je crois que ces petits rangements comme ça, c'était 7€, je crois, quelque chose comme ça, ouais, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas, à commenter et à liker. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!